Donc je vous propose d'attaquer. Et on attaque par qui? On attaque par quoi? On attaque dans quelle position? On s'occupe comment? J'empile. Vas-y, empile, empile. You're empiling? Non. Ok. Je vais demander c'est qui? C'est Cubone. Attendez, 30 secondes de silence pour cette vanne que vous n'avez peut-être pas entendue. Moi, j'ai pas compris. J'empile, c'est qui? Jean. Ah! Je suis en train de réfléchir si on va la garder, celle-là. Ça m'étonne que j'ai pas compris, pourtant j'ai la lumière à tous les étages. Bah, c'est parce que les filles sont en duplex, en direct de la NASA, et donc sont en bas à gauche pour nous. Donc forcément, voilà. Elles sont avec Pesquet. Pour voir un petit peu les cartes qu'elles peuvent trouver, etc. Ouais, on s'envoie en l'air, non? Oui, Ludie. Non, rien. Non, je disais juste qu'on s'envoie en l'air, nous. Oui, on s'envoie en l'air. Mais sans nous. Mais ça se fait complètement pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, des fois, t'as des impressions de code. Ils sont en Arial 72. Là, ils sont en 11. Comme quoi, c'est pas des fusées, Arial. Oh là là. Sol Galéo et Lunala. C'est presque ça. Sol Galéa et Lunalo. Je vais quitter la vidéo. Il me fatigue. Attendez, c'est presque. Et tous les trois de tempête argente. Car comme tout le monde le sait, les lave-linges durent plus longtemps avec du ralugon. Quelle carte on va choisir? C'est vrai qu'il fait un peu chaud là. Ça cuit. J'ai le lait qui fermente. T'as les zéro coquin. Elle est tellement mignonne. Le mamambo. Pommotte. De vitesse. Oula. Le petit chartor. J'ai tellement pas vu. Il est en manque de lunettes. Caraclé. Alors lui, c'est vraiment. Faut pas que ça craque en bas, les gars. Oui, tu disais. Ou tu allais dire? J'allais dire, sinon il y a les ouais, donc qui tombent du sachet. Amis de la poésie et du bon goût, bonjour. Accompagné, passe. Mais solo, c'est relou. Hein. C'est Anne. J'espère vraiment que vous l'avez pas entendu celle-là. J'étais obligé de la faire. Enfin, il y a des endroits où je vais et ça ne va pas aller. Bravo, le soir. C'est pas faux. On vous évite les détails. Et croustillant. C'est pas si croustillant. Hein. Laisse tomber, là. D'accord. Jeu de mots sur 20. Ne la laisse pas tomber. Oui, en même temps. Deux rouleaux. Tu vois. Évite d'être là. C'est ça. C'est ce que c'est. C'est comme quand on a un bébé moche, c'est notre bébé quand même. Donc à un moment, il faut qu'on les assume. Honte. Voilà. J'espère que. On a les références qu'on a. Oh. Ah, un vrai sourire. Et pas un chauve sourire. On sait qui va renoncer. C'est pas la vie qui fait le moine. Hop là. Je sais pas qui c'est qui fait le ménage dans cette maison, mais. C'est pas la vie qui fait le ménage. Avant, dans une brasserie. Tout un temps. T'as pas d'origine bretonne, toi? Pas du tout. D'accord, ça se voit. Elle gratte, mais ça va. Vivement, j'espère que tu auras les trois télés. Du coup, une V. Non, ça, il y a que les anciens qui peuvent comprendre. Non, pas une V. Bah, s'ils pouvaient régler mes problèmes, ça serait bien, hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Super bonbon, c'est ça la jeunesse. C'est les problèmes de fossiles, tu comprends? Oh! Elle en est trois dans le même sac, après deux, dans le même sac. Le sort en est jeté. Aléa, Yecta Est. Et... Bon. Non, bon Yecta appétit. Ouest, je préfère. Toute, Ouais, elle est courbée, comme dirait Julien. Ouais. Elle est légère. Légère. Après, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on se dirait dans les grottes de Lascaux. C'est un mascaillement préhistorique, les petits pères. Caraclé. T'allais faire un commentaire. Non, il est pas de Comilla, celui-là. Mais par contre, il est de Cassoulet. Il a pas intérêt à... Ouais. Écrapince, Gringolem. Activez l'abonnement et faites sonner la petite cloche. Et la bobinette. Chéra. Parfait. Zad. Onisque. Reptincelle, carabaf. Le pokérap.
pour ceux qui étaient nés à cette époque-là. C'est ça. Solarock. L'incubateur de... Capitaine d'équipe Spark. Tyrannosif. Henri. Je pense pour ramasser. Nettoyer. Ah bah, c'est sûr et certain. Payer. Astiquer. Casa toujours pimpant. Check, check, check. Check, check, check. Check ton mi, check. Check ton mi, check. Son Pokémon qui tortille du derrière, là, toute la journée. Comme Samba ouais, c'est vrai qu'il est un peu pénible. Charmina, Charmina, il est là, le soleil. Il manque un bord. Il manque un bord. Donc on pense très fort à eux. On vous envoie toutes nos forces. Voilà. Voilà. On envoie les pom-pom girls. Bon, moi je peux pas trop pom-pom. Hein. C'est donc je pompe pas mon bas, moi. Toute la gueule. Capitaine abandonné. Check, check, check. Check ton chèque. Mais qui ici ne seront pas holo, des trucs comme c'est ça. C'est des décathèmes, c'est ça. Voilà. Décalécathèmes, voilà. Décalécathèmes. Oh ouais, oh ouais. Tadam. 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 Une holo. Une holo. Une holo. Une holo. Forcément, il y aurait une holo. Pourquoi on le fait ? Je crois que c'est bien. Alors, par acquis de conscience, parce que... Roxane. Roxane. Et du coup. Banana, banana, banana split. Honneur au jaune. Mince. Quelque chose vient de tomber. Moi qui ramasse, c'est pas moi. Ah oui, zut, parce que j'ai une botte. Allez, hop, on y va. Vas-y, on va pour l'aventure. Papa Nick à bord. Le fun et la Papa Nick à bord. C'est les rats, s'ils sont là pour ça. Check, check, check. Check, check, check. Allez, check, check, la tristitude, c'est quand tu n'as pas de cartes qui sont bien. Même pas une brillante. Bien, bonne journée à vous. À toi. Quand on se promène au bord de l'eau. J'arrive vers là, je suis sûr il est là-bas, je suis sûr il est là-bas. Sur il est là-bas, sur il est là-bas. Oh et oh et. On a réussi à pas chanter, à pas danser. À l'Arvada Rivers. Ouh. Oh. Comment bien commencer? Une petite gold. Voilà, voilà. Du stade en ruine. Voilà, non, c'est moi qui suis en ruine, je te le dis de suite. C'est... Non, mais c'est pas vrai. Attends, j'ai obligé de regarder la dernière. Ah, oh, je suis obligé de faire les deux d'un coup. Ah. Alors, Lanturne. Oh oh oh. Un feuillage en reverse. Et une rare. Les Argus. Si, les ah. Argus en VMAX. Alléluia. Vas-y, fais voir. Nice. Oh, les Argus en VMAX, elle est magnifique en mode sniper au-dessus de sa tour, là. C'est GG. Ça, gros GG. Rebelle. Pour l'instant, c'est toi qui mène la danse, j'ai envie de te dire. Bravo. Un drac au feu en reverse, bien stylé. Ouh là, l'équipe sagesse va mener la danse avec un incubateur d'œufs en gold. Ouh, très stylé. Ça gratte. Si lui disais ce que passe par là, c'est une dédicace. Ah, le truc d'échange poké d'énergie, là. Non, je sais pas. Non, c'est pas le truc d'échange, c'est une énergie plante. Bon. Bien joué. Là, je crois que... Une aura et... Une radieuse. Yeah. Ouais.
La Pikachu God, bah vous avez sorti les deux God en fait. Mais est-ce que je suis bien en train de voir ce que je suis en train de voir, que tu viens de tirer, que je suis en train de le voir? Bien joué. Et les yeux peut-être. Lazare vivait alternative. Oh joli. Hey, oh. Oh joli. Ah mais je la voulais tellement, celle-là. Tellement peu tombée. Mais moi je l'ai jamais vue. Un Meditica avec son monocle. Donc c'était bien la dernière. En Cliffers. Et... Oh, une foulard. Magarna foulard. Ouais. Sérieux? Oui. C'est une vraie? Ouah. Ouh. Et en plus, elle avait une carte blanche. Elle a l'air mignonne, celle-là. Elle a l'air mignonne. Une petite arc-en-ciel. Ouais. Terra Vesta arc-en-ciel, mon gars. Un gros tas de morve en reverse. Je te déteste. Ce que j'ai ou tu me détestes. Dans le même ordre en plus. À nouveau un hérisson, sauf que celui-ci. Sauf que celui-ci est reverse. Et pour finir, un Dardarnia en V. Voilà. Ça, là, on est plutôt pas mal. Kaorin, Hypnomade, un Jirachi radieux, ce qui manque. Première Vanka, l'une des plus belles des radieuses. T'as vraiment de la chance que j'ai pas mes clés de bagnole avec moi. Un Archéodong en reverse, et... Yeah. Un Zoroark 18 en gold. Il me semble bien que ça gratuit. Place la barre ici. Bon bah c'est bien. Il suit. Tu places la barre. Vraiment, il suit, toi. Ouais. Tony Frel en reverse. Et... La petite Lugia V. Mais celle que tout le monde... Et Lugia... Et elle est belle. Mais c'est l'une des plus belles. Laisse-la là, regarde. Et ce n'est qu'une V. On va la mettre en lumière, cette petite carte. Ce n'est qu'une V. Hypocéan. Oh, Arcanin comme ça direct en TG qui pop et ouh ah je sens que je vais la récupérer. Je te la donne, tu as quoi, n'importe laquelle, je te donne une commune. Ouais. Contre un groupe là, moi ça me va hein. Un masque de panique, sérieux, il nous montre un truc, il a le sourire jusqu'aux lèvres, pas de sens. Un hypocéan. Le sourire jusqu'aux lèvres. Je crois que je viens me... Hein? Une fatigue. J'ai le Pokéstop. Attends. J'ai besoin de Pokéball. Tu t'attendais à quoi? Les vrais comprendront. L'aspirateur perdu. C'est ça. À chaque fois, il y a l'aspirateur perdu. L'aspirateur perdu. Je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver. Oh, je crains le pire. Un magnifique... Amovenus. Mais ils l'ont mis. Tiens, je te fais l'attaque pour te baiser. Attends. Non mais c'est difficile. Je me doute, franchement, et en plus, j'ai qu'un booster. Hein. Bah, moi, donc pas le droit à l'erreur. J'ai qu'un booster. Ça va être trop compliqué. Moi, je suis obligé de me voir devant. C'est bon. Komiya, quoi. Allô? Au secours! Le Voltorb, il prend tellement cher. Il est même plus rond, tellement. On dirait une fraise Tagada. C'est passé sous une voiture. T'as l'intérieur de la fraise qui sort, tu vois. Je... Oh, on est bien comme ça, là. Ouais. Moi, j'étais moins bien. Du coup, une petite pression. Ah boum, une très grosse pression. Alors, on a perdu Patrick. Le petit Amovenus. Peggy 18. Dracaufeu, le Melmetal et ce très joli noix de coco. Et je cours. Yeah. J'ai rattrapé. Allez. Et voilà. Bien le bonjour à toutes et à toutes, et welcome back sur votre chaîne Pentamone. Je suis avec... Vous avez dit toutes et à toutes.
Mais parce que je suis très féminin, moi. Je suis très profil. Pour vous, public. Je suis désolé, j'ai du personnel qui me qui m'importune. Ah bah tu vas tellement prendre cher. Est-ce que tu peux nous la refaire Tu vas tellement prendre cher. Ah, c'est difficile. Mais bon, déjà que je tombe sur quelque chose. Eh oui. Grelasson. Hippopotas. Cochignon. Électrode d'ici. Un ratata d'Alola. Est-ce que c'est une carte que tu as déjà plusieurs fois? Oui et non. Donc c'est un Melmetal. Oui. Mais et quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, on recommence. Bien le bonjour à tous et à toutes. Je me suis refroidi. Je vais pas y arriver. Voilà. Quand on réussit pas la première, les deux elles sont foirées. On va utiliser ton expression, ça smousse. Ah, ça smousse, donc une V. Une normale. Oh, patate, toi. Un ingosier, non, ça non, non. Comme une débutante, hein. Ouvrir. C'est bon, gagné. Heureusement qu'on l'a pas faite. Mais vous êtes monstrueux. Non. Ils ont des pouces en mode auto. Ouais, en mode automatique. Je me suis dit, j'ai un point de plus normalement. Bien. Est-ce que j'arrive à l'attraper? Je crois que le pin était en train de partir vers le 19. Alors, je l'ai complètement bloqué. C'est des années directes. Alors, je vais y arriver. Arc-en-ciel. Gold. Oh! Une citronnade gold. Non, je commence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es prête? Non. Déjà, il peut évoluer. Ouais, bah évoluer vers le frigo, ça. Il va évoluer. C'est la nouvelle évolution volontiers. Terminal. Une pièce. Au revoir. Adieu. Le moment que vous attendez tous et que nous attendons tous avec grande impatience, c'est ça. C'est le moment de la ripaille. C'est ça. C'est le gâteau, c'est la fête,
C'est le moment pour nous de fêter ces 1 an. Alors, on n'y croyait pas au départ, arriver jusque-là. Grâce à vous, comme vous avez pu le voir dans la première partie, grâce à vous, on en est là. Ça fait 1 an qu'on est là. Ça fait plus de 365 abonnés. Donc, 1 abonné par jour, voilà. Et très clairement, bah, t'as raison, on y croyait pas du tout. Alors, c'était pas forcément notre volonté. La volonté, c'est de plaire, bien évidemment. Mais on fait tellement ça pour le fun. Et vous l'avez vu en plus. Vous avez été hyper bien, bienveillant dans les commentaires. Vous l'avez vu avec le best-of des commentaires. Donc, vous êtes super. Franchement, on a une communauté qui est vraiment, vraiment, vraiment au top. Ça nous touche. Et ça fait chaud au cœur. Vraiment, ça fait très chaud au cœur. Donc, on vous en remercie vraiment. C'est aussi grâce à vous qu'on a perduré pendant 1 an comme ça, avec cette joie de vivre et cette bonne humeur qui est la nôtre. C'est ça, et que du coup, ça nous a fait plaisir de tourner les vidéos et de les partager avec vous. C'est ça. Voilà, voilà. Et, petite précision, vous nous voyez autour de cette table qu'à 4, mais il faut savoir que ma grosse, elle est ici. Ici. Là. La petite chapeau pour qu'elle puisse profiter. Je suis à distance. C'est ça. Pour changer d'habitude. Comme bien souvent, vous êtes habitué. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la NASA, encore une fois. C'est toujours la NASA. Et vous remarquerez qu'elle a aussi son petit chapeau. Ouais. Ouais. Son petit chapeau de licorne, comme vous. Exactement. C'est ça. Alors, les petits amis, donc on a fait le bilan. Vous avez vu la rétrospective du best-of là depuis 1 an. Qu'on s'est bien marré. Et on espère qu'on vous a fait autant marrer que ça. Maintenant, si on devait tous, en un mot, dire ce qu'on pense de la chaîne et des 1 an de notre chaîne. On dirait quoi ? Ludidesk. Pourquoi vous commencez par moi ? Parce que t'es la plus proche, c'est toi ! J'ai pas eu le temps de réfléchir ! T'as eu 1 an à réfléchir. En un mot. En un mot. E n'est pas un mot. 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 Alors on est gentil, on va te laisser réfléchir. Pour moi, ça sera le fun. Parce que voilà, c'est ce qui prime. Kat ? C'est évolution. Pour les évolutions des Pokémon que pour notre évolution au final sur une année, bah, on voit d'où on est parti et du coup où est-ce qu'on en est là actuellement. Je pense que c'est ça se voit sur c'est peu la de le qualité dire. Du contenu qu'on fait maintenant, on va dire globalement. C'est peu de le dire. C'est ça. Moi, ça serait convivialité parce que globalement, enfin voilà, ça rejoint un petit peu fun, mais il y avait un esprit d'amitié entre guillemets. Donc vraiment convivialité parce que voilà, on se régale et que ça prend plaisir et à le faire et à voir la réaction que ça apporte. Donc c'est absolument génial. Atsuki. Et moi, mon mot, ça aurait été Pokémon parce que quand même tout au long de l'année, on a fait des vidéos plutôt sur ça. C'est quand même le thème principal effectivement de la chaîne. C'est ce qui nous réunit. C'est ce qui nous réunit, l'univers Pokémon. Et oui. Du coup, ben, moi je dirais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, inespéré. Inespéré parce que ben, je pensais pas... Quand on en a parlé il y a très longtemps de cette chaîne... Il y a à peu près 4 ans. Ouais, je dirais 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Quand on en a parlé il y a 4 ans et demi, c'était vraiment sur le coup de la boutade. On se disait, ouais, tous ces youtubeurs là qui se font payer des paquets, qui sont sponsorisés, machin. Ouais, ben nous aussi, on a commenté une chaîne YouTube, comme ça on sera sponsorisé. Alors pour l'instant, on se paye les paquets nous-mêmes. Ouais, voilà. Donc on n'en est pas encore là, mais ça arrive, hein, ça va arriver. On désespère pas. Du coup, voilà, inespéré, c'est parce que c'est parti d'une vieille blague moisie, d'une soirée ouverture entre nous. Et en fait, bah, les ouvertures qu'on fait. Il n'y avait pas que des boosters, à mon avis, pendant cette soirée. C'est pas bien de dire ça. Je vous rassure, Atsuki n'était pas. Bien. Mais pour elle, ouais, inespéré. Inespéré. Bah, c'est parfait. C'est mon mot. C'est parfait. Et alors maintenant. Roulement de tambour, j'ai envie de vous dire. Le gâteau. Ce qui est quand même bien, c'est que je suis la seule à être à la diète, puisque j'ai pas le gâteau. Oh là là là, quel dommage. Au pire, on te l'enverra par mais oui. Je te le garderai pendant 10 jours si tu veux. Attention. Si ça se garde pendant 10 jours. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Patamon. Joyeux anniversaire. Vous savez que celui qui va souffler la bougie aura un Dracaufeu à la prochaine ouverture. Oh, bah si, ça part.
Qu'est-ce que tu dis, ma grosse? Bah, c'est pas juste. Moi, je peux plus souffler. Mais si, tu peux souffler. Vas-y, souffle. C'est trop injuste. Merde, mais... t'avances le gâteau. Ça marche. Ça marche. On fera un montage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va évidemment passer à la découpe, à la dégustation. On va se régaler. Ce gâteau, il est magnifique. Ouais. Il faut le dire. Super bon. Voilà. Donc, du coup, on remercie un de nos abonnés. Tout à fait. Ouais. La pâtisserie Frédéline, à Fréjus, qui fait des gâteaux de toute beauté pour toutes les occasions, sous toutes les formes, etc. Si vous avez l'occasion de passer par Fréjus et de passer devant cette pâtisserie qui est dans le vieux Fréjus, dans une rue piétonne, arrêtez-vous-y. C'est délicieux. Mais c'est vachement original et ils font des belles choses. Ouais. Des belles choses. On vous conseille. Et des bonnes choses. Aussi. Voilà, voilà. Moi, j'ai un peu envie de dire, et si on découpait ce gâteau? Le couteau, le couteau, le couteau, le couteau, le couteau. Sinon, je le coupe. Sinon, je le coupe à la bougie et je peux vous dire que là, soyez pas pressés. On va faire un attendre. Et du coup, oui, on a recours assez souvent à la main innocente pour nous assister. Pour nous assister. De fort belle manière. Witch ou witch. On va faire en. Ouais, 3. 3, c'est bien, ouais. Ouais. Il est beau. Oh, s'il est aussi bon que beau. Ah bah déjà, voilà. Il se coupe, mon petit. Je pense que on va se régaler. A few moments later. C'est un opéra. Ah bon, ouais. Hommage à la Castafiore d'ailleurs. C'est ça. Oh, je ris de voir ses lèvres dans ce miroir. Et bim, le gâteau. C'est ça, le truc qui va exploser. Il pleut beau chez moi, mais là actuellement, c'est vrai que c'est très couvert. Non, nous il pleut déjà, donc ça va, ouais. Je peux te dire c'est que. Ça, nous, ouais. il a pleuvu tout à l'heure. Ah. Il fait de la résistance. C'est ça. T'as l'air de vraiment savoir la part qui t'intéresse, toi, j'ai l'impression, Atsuki. Non. Ah bon. Bah, ça, théoriquement, ça change rien. C'est partout pareil. Attention! Attention! Prends pas peur, ma grosse! Yeah! C'est bon, j'en apprends pas! Happy birthday to you! Et voilà, on est encore mieux décoré maintenant. Mes oreilles sont décédées. Ah, bonne question de main innocente. C'est comme quand on fait des ouvertures, mais qui c'est qui va ramasser? Du coup, ça sera main innocente. Faut bien faire participer un peu. Non, il a déjà bien participé. Mais mon gâteau! Tu mettras pas trop de choses dans ton verre, des mix, je crois. Ah ouais? Bah, ouais, je crois que c'est des trucs en rapport, c'est. Il y a des trucs qui vont flotter. Couleur West Tempo. Des mix, tu devrais regarder derrière ton gâteau. Ah, j'ai aussi une surprise. Ouais, tu risques d'avoir un espèce de vieux goût. Yeah. De vieux goût de papier. Parce que depuis un certain temps, je suis déguisée en Pikachu. C'est donc ça. Est-ce que ça serait pas ton Pokémon préféré par hasard? Alors, c'est l'un de mes Pokémon préférés, mais c'est pas mon préféré. D'accord. Pas que le ouf. Hein. Yes, it is. Pêche ou pomme? Pêche. Ben, celui avec ou sans alcool? Ben, garde la pêche alors. Yeah! Et tombe pas dans les pommes. Ah ouais! Jeu de mots. Ramucho! Quand on aime, on ne compte pas. Tiens, ma grosse! Tiens, Chin! Attends! À la bonne tienne! Ouais, bah la tienne, moi je suis. Eh ben on va tous trinquer, allez, comme les mousquetaires! Ouais. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. C'est ça. Vraiment, merci à vous. À vous. Hein. Et puis, très très bientôt, on va dire, voilà. À 2 ans. On se retrouve dans les 2 ans. Je chine avec vous demain. Hein. Voilà, chine avec nous à la NASA. Chine, ma grosse. Santé! Senpai!